Navigatrices et navigateurs du web, bonjour et bienvenue sur Petits Trucs et Astuces PC. Avant de commencer, je voulais remercier toutes celles et ceux qui ont pu visionner, apprécier et partager mes vidéos. Comme vous le savez, YouTube a changé la donne sur la monétisation. Il faut désormais avoir eu 4000 vues au cours des 12 derniers mois et avoir 1000 abonnés. Une double peine en somme. Bien évidemment, je ne trouve pas logique cette décision car YouTube est en plein déni de ses fautes pour lesquelles nous, petites chaînes, nous payons le prix fort. Il faut tout de même le rappeler que certains annonceurs ont retiré à plusieurs reprises leur soutien suite au scandale des annonces se trouvant à côté de vidéos choquantes ou immorales. Parents tortionnaires, pédophilie, Logan Paul, chaîne enfant, etc. Ce genre de contenu dont YouTube a bien du mal à prendre une décision sur le devenir de ses chaînes. La communauté a fort réagi et YouTube a fini par effectuer certaines suppressions de chaînes, mais pas toutes, malheureusement. D'où le fait qu'il est appréciable d'avoir un retour sur le travail qu'on effectue, et qu'il est important de laisser un like, un commentaire et de partager mes vidéos afin que je sois mieux référencé. Un grand merci à celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, c'est aussi un élément important pour une meilleure continuité de celle-ci et cela me donne évidemment du courage à continuer. Venons-en à la vidéo. Vous avez peut-être déjà entendu parler du dossier Prefetch. Qu'est-ce que veut dire Prefetch? Traduit littéralement par pré-lecture, rechargement, pré-lancement. Cela va permettre d'ouvrir plus vite les programmes que vous utilisez fréquemment. Alors, est-il utile de vider régulièrement le dossier Prefetch? Nous allons voir ça. Sous Windows 7, cliquez sur Menu Démarrer, puis sélectionnez Exécuter. Tapez Prefetch, puis validez par Entrée. Si vous n'avez pas cette fonction, il faudra l'activer. Voir la vidéo numéro 39. Sous Windows 8 et Windows 10, cliquez sur l'icône Menu de démarrage. Sélectionnez toutes les applications. Puis cliquez sur Système Windows, puis cliquez sur Exécuter. Par la suite, tapez Prefetch, puis Valider par Entrée. Nous y voilà. En réalité, il est vrai que cela n'apporte rien en termes de rapidité et de performance. Cependant, vous faites bien le ménage chez vous. Ici, c'est pareil. Cela ne fera pas de mal de mettre un peu d'ordre. Cependant, à rythme modéré. Il faut bien comprendre à quoi sert le dossier Prefetch. Lorsque vous lancez un programme, il fait traitement, chargement disque, traitement, chargement disque, traitement, chargement disque, et ainsi de suite. Au premier lancement, Windows va analyser pendant 10 secondes quel fichier accède et les note dans un fichier dans un dossier Prefetch. Windows en profitera pour aller chercher à l'avance les fichiers dont le programme aura besoin. Comme indiqué précédemment, ce sont donc des fichiers de pré-lecture, pré-chargement, pré-lancement au choix, pour un chargement plus rapide. En plus de cela, le système Prefetch est aussi actif lors du démarrage de Windows, trace les chargements de fichiers au démarrage et optimise le démarrage de Windows. Enfin, de plus, le défragmenteur de Windows peut utiliser les informations du dossier Prefetch afin de placer les fichiers les plus utilisés lors du démarrage en début de disque pour améliorer encore les performances. De toute manière, Windows a une limitation de 128 fichiers. Supprimer le contenu de ce dossier ne fera que réduire temporairement les performances de Windows. Désactiver la fonction Prefetch vous privera également des améliorations substantielles de performance apportées. Il est cependant pas inutile de nettoyer, car des liens obsolètes peuvent être inscrits et Windows tentera malgré tout une action. Pour ma part, je vous conseille de nettoyer manuellement une à deux fois par an si nécessaire, car en fin de compte, ce n'est utile qu'en cas de suppression de programme et que les informations s'y rapportant restent dans ce dossier. Et bien voilà, vous savez tout à propos de ce dossier. À vous de choisir. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié celle-ci, je vous fasse votre travail de viewers. Je compte sur vous pour la partager sur vos réseaux sociaux. Laissez un like et un commentaire pour soutenir ma chaîne, c'est important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la notification afin d'être alerté sur les dernières vidéos mises en ligne. Navigatrice et navigateur du web, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.